طيب، دونك اون كومونس. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc la semaine passée on avait fait l'explication dans l'Aqidatul Wasitiyya, on a expliqué Sifatul Istiwa, et ça c'était le cours d'avant. Puis après on a fait Al-Ulu, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et aujourd'hui c'est le cours numéro 17 dans la série des durus de l'explication de l'Aqidatul Wasitiyya par le Cheikh Salih Al-Fawzan. Et donc, avant de continuer dans le prochain chapitre, on va lire certaines citations des salaf au sujet de, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création et il est dans les cieux. Donc, c'est-à-dire au-dessus de sa création. Et on commence par une citation qui est une citation de l'imam. Ça, c'est tiré du livre Al-Maturidiyya. أداء الماتريدية للعقيدة السلفية de شمس السلفي الأفغاني du volume 2 à la page 563. شيخ قال الإمام الثقة سليمان بن ترخان التيمي وأبو المعتمر البصري il est mort en 143 هجري. donc c'est un parmi les salafiani des premiers siècles. il dit لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء. d'accord. donc cet imam qui est Sulaiman ibn Tarkhan al-Taymi Abu al-Mu'tamar al-Basri, il dit si on te demande où est Allah, tu réponds il est aux cieux, dans les cieux, hein, في السماء. maintenant l'imam Malik rahimahullah, قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إلى مورا 179 هجري كيف كيل أدي رحمه الله الذي الله في السماء وعلمه في كل مكان. c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى est dans les cieux et sa connaissance est partout. sa connaissance est partout. d'accord. ensuite il y a une autre citation de l'imam Hamad ibn Zayd, c'est l'imam al-Iraqiyin, Hamad ibn Zayd, wa huwa kamalik, wa huwa kamalik, imam al-Hijaziyin fil jalalati wal-ilm. donc ça c'est un des imams qui est comparable à l'imam Malik dans l'ilm et dans le mérite. c'est l'imam des gens de l'Irak. il s'appelle Hamad ibn Zayd, ok, il est mort en 179 lui aussi. et il dit إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء وفي لفظ إنما يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله. ça c'est la réponse que cet imam disait au sujet des Jahmiyyah, ceux qui faisaient la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. il dit eux ils veulent seulement essayer de dire qu'il n'y a pas rien dans les cieux. et dans une autre citation il disait إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. ils tournent autour du fait qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de divinité dans les cieux. également une autre citation de l'imam
Abbad ibn al-Awam Omar al-Wasiti. Il est mort en 185 ou bien après, au Ba'daha, 185. Il a dit Kallamtu Bishran al-Murrisi wa ashabuhu. وأصحابه ورأيت آخر كلامه آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله أن لا يناكح ولا يوارث. Donc ça c'est les paroles de cet imam Abbad ibn al-Awam. Il disait j'ai parlé avec Bishr al-Murrisi, et Bishr al-Murrisi c'est un parmi les têtes des Jahmiyyah. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, j'ai parlé à lui, à cet homme-là, et à ses compagnons, c'est-à-dire ceux qui étaient avec lui. Et il dit, j'ai vu que, à la fin de qu'est-ce qu'ils veulent dire, leur but c'est quoi? À la fin de tout ce qu'ils disent, c'est de dire qu'il n'y a rien dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils n'affirment pas que Allah subhanahu wa ta'ala existe en réalité. Donc, ils veulent dire que Allah n'est pas au-dessus de sa création. Et il dit, je vois que, par Allah, ils ne doivent pas être mariés, on ne doit pas leur donner une femme en mariage qui est musulmane, et il ne doit pas non plus hériter. Donc c'est en d'autres mots, c'est comme si l'imam il dit que ce sont des kuffars en fait, parce qu'il nie cet aspect et cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi qui est mort en 198. Il dit « أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش » Donc ça c'est les paroles de cet grand imam parmi les imams des salafs, Abdurrahman ibn Mahdi. Il disait les compagnons de Jahm ibn Safwan, ils veulent dire que Allah n'a pas parlé avec Moussa, et ils veulent également dire que dans les cieux il n'y a rien dans les cieux, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus de son trône. Ara al mustatabu fa in tabu wa illa qutilu. Je vois que on doit leur demander de se repentir, et s'ils se repentent c'est correct, sinon ils doivent être exécutés selon la loi islamique pour avoir quitté la foi de l'islam. Après le cheikh il dit ensuite une autre citation, qala Ali ibn Asim ibn Suhayb, qui est mort en 201 Hijri, il dit et wa huwa cheikh l'imam Ahmad wal Bukhari. Donc Ali ibn Asim ibn Suhayb c'est un des chouyoukhs de l'imam Ahmad et de l'imam al Bukhari également. Donc c'est un parmi les grands ulama de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit? Ihdaru من المريث وأصحابه وأصحابه فإن كلامهم زندقة وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. Donc dans cette citation qu'est-ce qu'il dit? Ali ibn Asim il dit prenez garde à al-Murrisi et à ses compagnons parce que leur parole est une forme d'hérésie. Zandaqa, c'est-à-dire une forme d'hérésie, c'est-à-dire que ça fait sortir de la foi. Et il dit, أنا كلمت أستاذهم, j'ai parlé avec leur professeur, celui qui leur a enseigné cet égarement, c'est-à-dire Jahm ibn Safwan, celui qui leur a enseigné ça. Et eux, ils n'affirmaient pas qu'il y avait un Dieu dans les cieux. Ils n'affirmaient pas qu'il y avait un Dieu dans les cieux. قال وهم ابن جرير الإمام Wahm ibn Jarir al-Imam, qui est mort en 206, il dit innama yuridu al-Jahmiyya annahu laysa fi as-sama'i shay. Wa qala al-Imam ibn al-Qayyim sahha anhu annahu qala iyyakum wa ra'i Jahm fa innahum yuhawiluna an laysa fi as-sama'i shay wa ma huwa illa min wahyi Iblis. Donc ça c'est les paroles de Wahb ibn Jarir qui est mort en 206 comme j'ai dit, et il dit les Jahmiyyah qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent dire qu'il n'y a rien dans les cieux. Et également l'imam ibn al-Qayyim a dit qu'il a été rapporté, wa alaykum salam, il a été rapporté authentiquement au sujet de cet imam, il a dit prenez garde et faites attention à l'opinion ou aux positions de Jahm.
parce que eux ils veulent dire qu'il n'y a rien dans les cieux, et ça fait partie de la révélation de Iblis, c'est-à-dire c'est Iblis qui leur a révélé ça, et ce n'est que de la mécréance. وفي لفظ الجهمية زنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استواء. Il dit dans une autre citation, les جهمية sont des زنادقة, c'est-à-dire sont des hérétiques. Ils ne veulent que dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'istiwa, il n'y a pas de fait, ils veulent nier le fait qu'Allah s'est élevé au-delà de son trône. ليس على العرش استواء. Donc ça c'est des paroles claires, des paroles des salafs, qui montre qu'ils ont affirmé l'istiwa, et qu'ils ont affirmé que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône. Wa qala Asim ibn Ali ibn Asim ibn Habib, qui est mort en 221, nazartu jahmiyan fatabayyana min kalamihi annahu la yu'minu anna fis sama'i rabban. Il dit, j'ai eu une discussion ou un débat avec un jahmi, quelqu'un qui suivait Jahmi ibn Safwan, et qu'est-ce que j'ai compris à la fin de ses paroles, c'est qu'il ne croit pas qu'au-delà des cieux il y a un Seigneur. Wa qala Qutayba ibn Sa'id, qui est mort en 240 Hijri, il a dit, هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. C'est une citation de Qutayba, yani, qui est mort en 240, qui a dit, voilà la parole de nos imams dans l'islam et dans la sunna et dans l'unité, al-jama'a. On connaît notre Seigneur au-dessus du septième cieux, sur le trône, au-dessus du trône. Voilà une des citations également des salafs. Et قول الإمام, imam أهل السنة والجماعة, أحمد بن حنبل, في أن الله في السماء. Donc il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, c'est-à-dire dans les hauteurs, au-dessus de sa création. Ensuite, il y a d'autres citations également qui sont mentionnées de d'autres parmi les imams, mais on va s'arrêter à celle qu'on a mentionnée maintenant. Et puis, inshallah, peut-être la prochaine fois on pourra en mentionner d'autres. Non. Donc, on va maintenant continuer la lecture de notre dars habituel dans le livre de Al-Aqidat al-Wasitiyya, et on arrive maintenant au chapitre qui parle de Isbatu Ma'iyatullah, Isbatu Ma'iyatullah li khalqihi, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création. Donc c'est l'affirmation de Al-Ma'iyya, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il est avec ses créatures. Et on va comprendre qu'est-ce que ça implique, cet attribut-là. Parce que là, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création, au-delà de son trône, et on a vu qu'il est au-delà de toute sa création également, qu'il a l'attribut de Al-Istiwa et de Al-Ulu. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets dans le Coran, il affirme qu'il est avec certaines de ses créatures. Ok? Et donc, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux attributs-là, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création et en même temps qu'il est au-delà de son trône. Parce que il est au-delà de son trône avec sa personne, en sa personne, mais il est, wa alaykum salam wa rahmatullah, mais il est, avec sa création par sa connaissance, par son ouïe et par sa vision. Du fait qu'il entend, il sait et il voit tout ce qui se passe. D'accord? Également, c'est une réfutation de ceux qui prétendent, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils disent, Allah fi kulli makan. Ceux qui disent que Allah est partout. D'accord? On n'a pas le droit de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, qu'il est ala al-arsh istawa. Ok? Il est au-delà de sa création. Sauf que, il est avec sa création par sa vue, par son ouïe et par sa connaissance, mais pas par sa personne, comme les soufis par exemple essaient de prétendre parfois. Et également, c'est la réfutation de ceux qui prétendent, ou bien qui veulent nier, que Allah est au-delà de son trône aussi, et qui disent qu'il n'est dans aucun endroit,
comme ils disent qu'il n'est pas à l'intérieur ni à l'extérieur du monde, qu'il n'est pas en haut ni en bas, etc. Et donc ils veulent par ça dire que Allah n'est pas au-delà de son trône. Et ça c'est une forme de négation des attributs d'Allah et c'est une forme de kufr. D'accord ? Donc on va commencer par réciter ou mentionner les versets que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a mentionné dans ce chapitre et puis après on va lire l'explication de ces versets-là en détail en ce qui concerne cet attribut-là en particulier. Le Cheikh il dit نعم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير نعم donc ça veut dire que Allah سبحانه وتعالى c'est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis qui s'est établi qui s'est élevé au-delà de son trône au-dessus de son trône. Il connaît ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah est certes voyant, il voit tout ce que vous faites. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala est voyant de tout ce que vous faites. Il voit tout ce que vous faites. Donc, ici, il y a donc l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et qu'il est avec nous peu importe où nous sommes et c'est comme l'imam Malik a dit tout à l'heure huwa comme on a dit huwa fi sama huwa fi sama wa ilmuhu fi kulli makan. OK, il est dans les cieux mais sa connaissance est partout. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, il dit ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire il n'y a pas de najwa, il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes excepté que Allah subhanahu wa ta'ala est le quatrième, ni entre cinq personnes, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala est le sixième. Ni moins que ça, ni plus, c'est-à-dire, il n'y a pas que ce soit un plus petit groupe que trois, ou bien un plus grand groupe que cinq, excepté qu'il est avec eux, là où ils sont, peu importe là où ils sont. Puis, par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, il va leur informer de ce qu'ils avaient fait, et Allah est certes à la connaissance de toute chose. Inna Allaha bi kulli shay'in 'alim. OK? Ensuite le cheikh il mentionne une autre aya qui dit la tahzan inna Allaha ma'ana. Ne sois pas triste, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit innani ma'akuma asma'u wa ara. C'est-à-dire moi je suis avec vous, je vous entends et je vous vois. Je suis avec vous deux. Je suis avec vous deux, c'est Moussa et Haroun. Je suis avec vous deux, je vous vois, je vous entends et je vous vois. Et l'autre verset, Inna Allaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui ont craint et avec ceux qui ont été, qui ont eu al-ihsan, qui ont fait preuve de bonté et qui ont été des gens qui ont atteint le niveau de ihsan, donc qui ont fait du bien et qui ont été conscients que Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de chacun de leurs gestes et de leurs paroles. Ensuite, wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Faites preuve de patience et soyez endurants, car Allah est avec les gens qui sont patients et endurants. Et kam min fi'atin qalilatin, ça c'est un autre verset, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Wallahu ma'as sabirin. Combien de petites armées, ok, de petits groupes, de petites armées, ont réussi à écraser des grands nombres des armées qui sont très nombreuses par la permission d'Allah, et Allah est avec les gens qui sont endurants et qui ont la patience. Donc ça c'est les versets que le cheikh a mentionné, et on voit que ça rapporte toujours à l'attribut du fait qu'Allah est avec sa création
et donc on va expliquer en détail maintenant qu'est-ce que ça signifie. les versets qu'on a mentionnés, le premier est dans Surat al-Hadid, le verset 4, l'autre est dans Al-Mujadala, le verset 7, l'autre est dans Surat al-Tawbah. Vous voulez les écrire? Ouais? Ok. Le premier est dans Surat al-Hadid, le verset 4. J'aurais dû les lire en même temps. Je suis allé trop vite. Le deuxième, c'est dans Surat al-Mujadala, celui qui parle de la conversation secrète. Celui-là, c'est le verset 7 dans Al-Mujadala. Le troisième qu'on a mentionné, il est dans Surat Tawbah, verset 40, « La tahzan inna allaha ma'ana ». Le cinquième, le quatrième, c'est dans Surat Taha, ça dit « Innani ma'akuma asma'u wa ara ». Ça c'est le quatrième, c'est dans Surat Taha, le verset 46. Le cinquième, c'est dans Surat An-Nahl, le verset 128. Le sixième, c'est dans Surat Al-Anfal, le verset 46. Et le septième, c'est dans Surat Al-Baqarah, le verset 249. Donc, on va commencer maintenant à expliquer le verset, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il dit, قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Le chef il dit, on a déjà expliqué cette partie du verset dans l'explication de l'istiwa. Donc il ne répète pas encore une fois l'explication de ce verset, soit il commence tout de suite à expliquer le verset dont on a besoin d'expliquer, parce que c'est de ça, c'est à ce sujet-là que qu'on veut arriver. C'est wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, c'est-à-dire et Allah subhanahu wa ta'ala il est avec vous où que vous soyez. Le cheikh dit ay huwa ma'akum bi 'ilmih raqibun 'alaykum shahidun 'ala a'malikum haythu kuntum wa ayna kuntum fi barrin aw bahrin fi laylin aw naharin fi buyutin aw qaffar ou le qaffar. Donc qu'est-ce qu'il dit ici, le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec vous par sa connaissance, hein, et il vous surveille, il est quelqu'un qui veille sur vous et qui est témoin de toutes vos actions, peu importe où vous soyez, hein, et il dit que ce soit sur la terre ou sur la mer, dans la nuit ou dans le jour, dans les maisons ou autres, yani il sait où vous êtes, il sait qu'est-ce que vous faites, et il est témoin de tout ce que vous dites et de tout ce que vous faites, peu importe où vous êtes. Ils sont tous, toutes les créatures, toutes les êtres, ils sont tous dans sa connaissance, et Allah subhanahu wa ta'ala les voit toutes de façon égale, et il sait tout ce qu'ils font, et il voit et il entend tout ce qu'ils font. يسمع كلامهم ويرى مكانهم. Ils entendent leurs paroles et ils voient où ils sont. Même une fourmi qui est au fond de la terre, même si personne ne peut l'entendre, mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend et il la voit et il sait exactement qu'est-ce qu'elle fait, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui échappe. Ensuite, le cheikh il dit, وهذا محل الشاهد. Il dit c'est de ce verset là qu'on veut parler, de cette partie là du verset qu'on veut parler, parce que c'est avec ça qu'on veut prouver justement l'affirmation de cet attribut là qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. هذا هو محل الشاهد من الآية الكريمة ففيه إثبات المعية العامة والله بما تعملون بصير أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Donc le cheikh il dit que et on veut affirmer par ce verset-là, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ma'iyya al-amma, c'est-à-dire qu'il est avec sa création d'une façon générale. Et il y a deux formes de ma'iyya, comme le cheikh il va l'expliquer tout à l'heure. Il y a al-ma'iyya al-amma et il y a al-ma'iyya al-khassa. Al-ma'iyya al-amma c'est al-ma'iyya
le fait qu'Allah SWT est avec sa création par sa connaissance, par sa vue et par son ouïe, et dans cette ma'iyya, eh ben, toutes les créatures sont égales, dans le sens qu'il voit tout, il entend tout et il sait tout, hein, de façon, pour toutes les créatures c'est égal. Toutefois, il y a une autre ma'iyya qui est khassa, elle est spécifique et elle signifie pas la même chose, elle signifie quelque chose de plus spécifique et de plus particulier, c'est-à-dire il est avec ses serviteurs pieux et ses prophètes et ses messagers et les croyants, avec eux dans le sens qu'il les aide, qu'il les supporte et qu'il leur donne la victoire dans ce sens-là. Donc là on voit les versets maintenant qui parlent de al-ma'iyatul 'amma, qui est général pour le kafir, pour le mu'min, pour tout le monde en même temps, et après on va voir les versets qui parlent de al-ma'iyya al-khassa, d'accord. Donc quand Allah dit qu'il est avec nous où que nous soyons, ça implique tout le monde, toutes les créatures, et même les kuffars. Il voit et il entend et il sait tout ce qu'ils font. Malgré qu'il est au-delà de son trône, même s'il est au-delà de son trône, il peut voir tout ce qu'on fait, hein. Le fait qu'il soit si haut, ça n'empêche pas le fait qu'il peut voir tout ce qui se passe dans le monde. Même Allah SWT a dit, wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah est plus près de lui que sa veine jugulaire. D'accord? Donc, ça veut dire que, et ça on va en parler de cet attribut-là plus tard, Inch'Allah, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est très près de ses créatures, malgré qu'il est au-delà de son trône, hein. Donc, Alhamdulillah, il est près de sa création, comment? Par sa connaissance, par sa vue, et par son ouïe. Il entend tout, il voit tout, et il sait tout. Ensuite, le Cheikh dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَافَةٍ النَّجْوَى السِّرْ وَالْمَعْنَى ما يوجد من تناجي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أي جاعلهم أربعة وجاعلهم ستة من حيث أنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوة. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh ici? Il dit que Allah سبحانه وتعالى il dit qu'il n'y a pas de najwa, il n'y a pas de conversation secrète entre trois personnes, et un najwa c'est quoi? C'est ça, le cheikh dit que c'est as-sir. En arabe, un najwa c'est as-sir, c'est-à-dire la parole secrète. Hein, quand tu chuchotes avec une personne, par exemple, on est un groupe ici, et là, bon, moi je prends le frère à côté de moi et je lui chuchote quelque chose à l'oreille, et les autres sont devant moi, et ils n'entendent pas ce que je dis au frère parce que je parle tout bas dans son oreille. Hein, ça c'est un najwa, d'accord. Et de parler en secret avec une personne en présence d'une troisième, c'est pas permis, hein, de faire ça. C'est-à-dire, si on est trois et puis il y a une personne avec nous et j'ai pas le droit de parler en secret à une personne et de laisser l'autre à l'écart, hein, il faut que je le dise à haute voix, sinon je dois pas parler en secret parce que ça peut faire du mal à la personne, ça peut la blesser, hein. Exactement. Parler dans une autre langue que l'autre comprend pas, c'est équivalent à parler, à faire comme un secret. La personne ne peut pas savoir est-ce que tu parles dans son dos, est-ce que tu es en train de raconter des choses à son sujet, et ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire, Yanni, dans l'islam. Donc le chef il dit que al-najwa c'est ça, c'est as-sir. Et qu'est-ce que ça signifie? Le verset, ça veut dire, si vous êtes trois à parler en secret, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est votre quatrième. Ça veut dire, c'est lui qui est quatrième. Ça veut dire, il entend qu'est-ce que vous dites, hein. Et si vous êtes cinq, eh bien il est le sixième. Ça veut dire que, Allah subhanahu wa ta'ala, yusharikuhum, hein, il est avec eux dans le sens qu'il est au courant du secret qu'ils sont en train de se transmettre, d'accord. Donc le cheikh dit wa takhsisu hadhain al-adadain bi-dhikr li'anna al-aghlab 'adat al-mutanajina an yakunu thalatha aw khamsa aw na'am. Donc il dit pourquoi Allah il spécifie ces deux nombres là comme 3 ou 5, pourquoi? Parce que c'est les nombres les plus qu'on a plus d'habitude à voir, ou que des gens parlent entre eux en secret, c'est souvent ces deux nombres-là. Mais sinon,
Allah il dit par la suite, yani, wala adna min dhalika wala akthar. C'est-à-dire, même s'ils sont moins que ce nombre-là ou plus que ce nombre-là, eh ben, il est avec eux quand même, yani, il sait tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils se chuchotent, yani, en secret. Ensuite, le cheikh il dit, أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى. Une autre explication également, c'est que il y avait une raison pourquoi ce verset-là était descendu, parce que à une occasion, ceux qui avaient fait un najwa, qui avaient fait les conversations secrètes, donc à une occasion ils étaient trois et dans une autre occasion ils étaient cinq. Et donc c'était pour mentionner ces deux occasions-là, Allah a mentionné 3 et 5. وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر ولهذا قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي لا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين ولا أكثر منه كالستة والسبعة إلا وهو معهم بعلمه ويعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. Donc c'est ça ce qu'on a expliqué, que peu importe le nombre, qu'il soit plus ou moins, il est avec eux par sa connaissance. قال المفسرون إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسيئهم أو يسوءهم فيحزنون لذلك فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم فأنزل الله هذه الآيات. Donc le cheikh dit que les savants de tafsir ils ont dit que les munafiqin et les hypocrites et les juifs, les hypocrites et les juifs, ok, et ils faisaient des secrets entre eux, ils se parlaient entre eux en secret devant les musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assoyaient ensemble, ils se mettaient ensemble, et là ils parlaient en secret devant les musulmans. Et ils essayaient de donner l'impression aux musulmans qu'ils étaient en train de faire des secrets à leur sujet, et de parler contre eux dans quelque chose qui est mauvais pour les musulmans. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ils ont continué à faire ça et ils l'ont fait de plus en plus. Alors, les mu'minines sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne plus faire des secrets et d'exclure les mu'minines en parlant en secret entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à le faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets-là dans Surat al-Mujadala pour réputer et pour répondre à ces gens-là, et pour clarifier leur réalité aux croyants. Donc ça c'est le tafsir de ce verset. Ensuite qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Wa qawluhu ta'ala aynama kanu wa huwa ma'ahum aynama kanu معناه إحاطة علمه سبحانه وتعالى بكل تناج يقع منهم في أي مكان. الشيخ il est avec vous où que vous soyez, c'est pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance enveloppe tout endroit, et toute personne qui fait des secrets et tout secret, peu importe l'endroit. Ensuite, le cheikh dit, ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ أَيْ يُخْبِرُهُمْ سُبْحَانَهُ. Puis, par la suite, Allah dit qu'il va les informer. Il va les informer au jugement dernier. C'est-à-dire, يُنَبِّئُهُمْ, ça veut dire يُخْبِرُهُمْ. C'est ça que ça veut dire en arabe. Et ça veut dire qu'il va les informer. بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De ce qu'ils avaient fait au jour de la résurrection. وَيُجَزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ. Et ils vont être punis pour qu'est-ce qu'ils avaient fait. وَفِي هَذَا تَهْدِيدٌ لَهُمْ وَتَوْبِيخٌ. Et il y a une menace dans ça et un blâme pour eux d'avoir agi de cette façon. Inna Allah bi kulli shay'in alim la yakhfa alayhi shay. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Et ensuite il dit, wa shahidu min al-aya anna fiha ithbat ma'iyyat Allah li khalqihi
وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعمالهم. Donc le chef dit, c'est quoi le point qu'on veut utiliser ou qu'on veut amener dans ce verset-là? C'est la preuve que Allah a affirmé qu'il est avec sa création, et c'est une ma'iyya, ou bien c'est le fait qu'il est avec sa création d'une façon générale, ma'iyya amma. Et ça implique quoi? Ça implique que sa connaissance enveloppe toutes choses et enveloppe toutes nos actions, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? Il est au courant et il le connaît, il le sait parfaitement. Donc ça c'est la signification. Puis ensuite qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit que ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. Et si vous regardez effectivement dans ce verset-là, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a débuté ce verset-là par al-ilm. Alam ta'lam anna Allah ya'lam, alam tara anna Allah ya'lam ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Est-ce que c'est alam tara? Attends, je vais regarder parce que je suis pas sûr. Alam tara. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le verset en disant alam tara anna Allah ya'lam ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Donc il commence par al-ilm. Anna Allah, alam tara anna Allah ya'lam Ensuite, il continue le verset, puis à la fin, il dit quoi? Inna Allah bi kulli shay'in alim. Donc, il commence le verset en mentionnant al-ilm, et il termine le verset en mentionnant al-ilm, la connaissance et la science. Donc, ça prouve que tout ce qui suit entre ces deux mentions de la connaissance, ça a rapport avec l'attribut de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est avec eux, avec sa création, par sa connaissance, pas yani comme les soufis prétendent qu'il est partout, comme certains imaginent qu'il est partout, d'accord, ça c'est une fausse croyance de croire en ça, yani, et yani, si quelqu'un prétend que Allah est partout, tu lui dis bon, est-ce qu'il est dans les toilettes, est-ce qu'il est dans ces endroits-là qui sont najis, abadan, yani, on ne peut pas affirmer ça, d'accord, parce qu'Allah il doit être purifié de ces imperfections-là et de ces impuretés-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit, le cheikh, il dit, قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ne sois pas triste, Allah est avec nous. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كانوا في الغار وقت الهجرة وقد لاحق بهما المشركون فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن أي دع الحزن إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده ومن كان الله معه فلن يغلب ومن لا يغلب فلا يحق له أن يحزن. Donc c'est ça l'explication de ce verset là, c'est que c'est une parole que le prophète صلى الله عليه وسلم a adressée à son compagnon Abu Bakr رضي الله عنه lorsqu'ils ont fait le hijra ensemble. Ils ont fait l'immigration de Mecca à Médine et ils se sont cachés dans une grotte dans le chemin. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les mouchriquins, les idolâtres, les ont rattrapés. Et Abu Bakr était triste parce qu'il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les koufars allaient lui faire du mal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne sois pas triste. Allah est avec nous, c'est-à-dire laisse tomber, abandonne la tristesse, ne sois pas triste car Allah est avec nous par son aide et par sa victoire et par son support, ok? Et celui que Allah est avec lui, alors personne ne peut avoir le dessus sur lui. Et celui qu'on ne peut pas avoir le dessus sur lui, eh bien il ne doit pas être triste. Si tu sais que personne ne peut avoir le dessus sur toi, alors tu ne dois pas être triste, d'accord? Donc le cheikh dit ومن الشاهد والشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد.
Donc, dans ce verset-là, là, on peut comprendre qu'il y a une mention de Al-Ma'iyya, mais Al-Ma'iyya Tul-Khassa, et non pas Al-Ma'iyya Tul-Amma. C'est une Ma'iyya, le fait qu'Allah est avec sa création, d'une façon, d'une manière plus particulière, dans le sens qu'il est avec les mu'minines, d'une façon particulière par rapport à Al-Ma'iyya Tul-Amma, le fait qu'il est avec toutes les créatures d'une façon générale, parce qu'il les voit, il les entend et il sait ce qu'ils font. Mais quand il parle qu'il est avec les mu'minines et avec les sabirines et avec les muttaqines, et là c'est une ma'iyya qui est particulière, c'est-à-dire il est avec eux d'une façon particulière, dans le sens qu'il leur donne son support, et il leur donne sa victoire, et il les aide. Et il n'aide pas les kuffars et les mushrikines, et il n'est pas avec eux de la même façon qu'il est avec les mu'minines. D'accord? Et le cheikh dit, après il dit, « وَقَوْلُهُ تَعَالَ لِمُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Moïse et à Haroun, son frère, et il dit, « Certes, je suis avec vous deux, je vous entends et je vous vois. Et la tachafa min Fir'aoun, c'est-à-dire n'ayez pas peur de Fir'aoun, hein, c'est comme pour les rassurer, hein, tu sais qu'Allah est avec toi, donc n'ayez pas peur de Fir'aoun, même s'il est puissant, même s'il a de l'autorité, même s'il peut vous faire punir, il peut essayer de vous faire du mal, mais n'ayez pas peur parce que je suis avec vous deux, hein. إنني معكما تعليل للنهي أي معكما بالنصر لكما والمعونة على فرعون. C'est-à-dire, je suis avec vous deux dans le sens que je vais vous aider. Je vais vous aider tous les deux et je vais vous donner mon aide contre Pharaon. أسمع كلامهما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه ولا يخفى علي من أمركم شيء. C'est-à-dire, j'entends vos paroles et ses paroles à lui, c'est-à-dire vos paroles à vous deux et les paroles de Pharaon, et je vois vos positions et la position de Pharaon, c'est-à-dire je vois où vous êtes, etc., et l'endroit où vous vous tenez. Donc, il n'y a rien qui m'échappe, hein, de ce qui se passe avec vous. D'accord? Donc, dans ce sens-là, c'est pour donner du courage à Moïse et à son frère Haroun. Le cheikh dit, « Wa shahidu min al-aya anna fiha ithbatu al-ma'iyya al-khassa fi haqqi Allahi fa'ala li-awliya'ihi bin-nasri wa-ta'yid kama anna fiha ithbatu al-sam'i wal-basar lahu subhanahu wa ta'ala. » Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que le point qu'on veut prouver en mentionnant ce verset-là, c'est quoi? Shahid, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a affirmé qu'il est avec ses serviteurs d'une façon particulière. Al-Ma'iyatul Khassa. Et le Cheikh il dit qu'il est avec ses alliés. Il leur donne la victoire et il les supporte. Kama anna fiha ithbatu al-sam' wal-basar lahu subhanahu. De même qu'il y a également l'affirmation de du fait qu'Allah il entend et il voit, il y a la vue et la l'ouïe qui sont affirmées dans ce verset-là également. وَقَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Également dans un autre verset, Allah dit إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Allah est avec ceux qui ont eu attaqwa, ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait ce que Allah a ordonné et ils se sont éloignés de ce qu'Allah a interdit par crainte de son châtiment. Par crainte de son châtiment et par espoir de son paradis. Et taraku al-muharramat wal-ma'asi al-akhtilaf anwa'iha, c'est-à-dire al-taqaw, ils ont abandonné les désobéissances et les péchés dans toutes les catégories, dans toutes leurs catégories, peu importe la catégorie de péché et de désobéissance. Wallazina hum muhsinun, et ainsi que ceux qui ont eu al-ihsan et qui on fait preuve de bonté. بتأذية الطاعات والقيام بما أمروا به فهو سبحانه
مع هؤلاء بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. الشيخ كيسكيزي يجي الله سبحانه وتعالى اللي يسبق à faire des bonnes œuvres et des obéissances et à rester ferme sur le, disons, à continuer à respecter les ordres qu'Allah leur a donnés. Et donc avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux dans le sens que il les supporte, il leur donne la victoire et il les aide dans ce chemin-là. وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. Et ça c'est المعية الخاصة. Encore une fois, Cheikh il dit encore un autre exemple. Il dit قوله واصبروا هذا أمر بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala dit et soyez, ayez de la patience, faites preuve de patience et d'endurance. هذا أمر بالصبر, ça c'est un ordre de d'avoir de la patience. Et il dit wa huwa habs an-nafs. Qu'est-ce que ça veut dire al-sabr habs an-nafs? Habs an-nafs, ça veut dire de retenir ton âme, de pas te plaindre et de pas perdre courage, etc. Donc il dit wal murad bihi huna as-sabr ala shada'id al-harb allati bayna al-muslimina wa bayna al-kuffar. Le cheikh dit c'est-à-dire de faire preuve de patience dans ce verset-là des difficultés de la guerre entre les musulmans et entre les kuffars. D'accord? Parce que quand il y a la guerre, il faut faire preuve de patience et d'endurance. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله مع الصابرين. Puis il a expliqué la raison pourquoi on doit faire preuve de patience. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec ceux qui ont de l'endurance et ceux qui sont patients. فهو سبحانه مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه. Allah سبحانه وتعالى il est avec ceux qui ont de l'endurance et qui sont patients, dans toutes les choses qui nécessitent ou qui exigent de la patience. D'accord. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين في سبيل الله. Donc il dit qu'est-ce qu'on veut tirer comme preuve dans ce verset-là, c'est qu'on veut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les gens qui ont de l'endurance et qui sont patients sur son obéissance et qui luttent dans son chemin. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. Donc ça c'est une explication de l'imam al-Shawkani. Il dit que celui qui a cette ma'iyya, celui avec qui Allah est de cette façon-là, personne ne peut avoir le dessus sur lui. Celui qui a reçu le fait qu'il est avec Allah, ou que Allah est avec lui, celui que Allah est avec lui, et qui a eu cette ma'iyya particulière-là, eh ben, personne ne peut l'atteindre d'aucune direction, d'aucune façon possible. Il peut pas l'atteindre du tout. Même si les gens qui essaient de l'attraper ou de lui faire du mal essaient de passer par différentes portes ou bien de rentrer par différentes directions pour l'atteindre, ils n'y arriveront jamais parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. D'accord. Et le cheikh dit وما يستفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. Donc tout ce qu'on a mentionné maintenant jusqu'à maintenant de versets au sujet de cet attribut-là, on peut en tirer le fait que Allah il a cet attribut de al-ma'iyya, qu'il est avec sa créature, et on peut également en tirer deux points qu'il y a deux ma'iyya. Il y a deux ma'iyya. Une qui est générale et une qui est particulière. Et c'est ça que le chef explique ici. Pour terminer, il dit, النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين. ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم وخيرها وشرها
ومجازاتهم عليها. Donc, premièrement, on peut tirer le fait qu'il y a dans les deux premiers versets que le cheikh a mentionné, al-ma'iyatul amma, le fait qu'il est avec nous d'une façon générale ou avec sa créature d'une façon générale, parce qu'il est, disons que parce que ça implique qu'il a enveloppé toutes ses créatures ou qu'il enveloppe toutes choses par sa connaissance, et il connaît donc leurs actions et il sait ce qu'ils font, que ce soit des bonnes actions ou des mauvaises actions, donc par sa connaissance il est avec eux et il va les punir ou les récompenser selon ce qu'ils ont fait, d'accord. Et la deuxième ma'iyya, c'est al-ma'iyyatul khassa comme on a dit, et celle-là c'est juste pour les mu'minines, seulement pour les mu'minines, d'accord. Et ça implique quoi? Ça implique la victoire, le support, et qu'il va nous préserver, qu'il va nous garder et nous protéger. وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية أوردها المؤلف رحمه الله. Donc ça c'est prouvé par les 50 versets que Ibn Taymiyyah a mentionné par la suite après les deux premiers. Il dit ومعيته سبحانه وتعالى لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه. Donc là le chef il spécifie et il dit que le fait qu'on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous et qu'il est avec sa créature, ça ne vient pas nier et ça ne contredit pas que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création et qu'il s'est élevé au-delà de son trône. فَإِنَّ قُرْبَهُ سُبْحَانَهُ وَمَعِيَّتَهُ لَيْسَتْ كَقُرْبِ الْمَخْلُوقِ وَمَعِيَّةِ الْمَخْلُوقِ لِلْمَخْلُوقِ. يعني فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le chef il dit pourquoi, parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit proche de nous et qu'il soit avec nous, eh ben c'est pas comme la proximité des créatures entre elles, et c'est pas non plus le fait qu'il est avec nous comme les créatures sont les unes avec les autres. Il n'y a pas de ressemblance entre Allah et avec Allah et sa création. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien comme lui, et il est السميع, l'audient, et البصير, le voyant. D'accord? Donc il faut affirmer ça sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. لأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. تقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. Donc le chef il dit, quand on dit par exemple être avec quelqu'un ou être avec quelque chose, ça n'implique pas du tout qu'on soit ensemble, qu'on se touche, ou bien qu'on est ensemble dans le sens qu'on est yani collé un à l'autre ou à côté un contre l'autre. Ça ne veut pas dire ça et ça n'implique pas ça du tout. Ok? Et il donne comme exemple de ça la parole des Arabes, et même en français on dit ça, ma zalna namshi wal qamaru ma'ana. C'est-à-dire on a marché et la lune est avec nous. Tant qu'on a continué à marcher et la lune était toujours avec nous, dans le sens que yani, tu marches et c'est comme si la lune te suit, malgré que tu dis la lune est avec nous, malgré que la lune est très haut dans le ciel, mais tu dis la lune est avec nous quand même, tu vois. Et donc ça ne veut pas dire que quand tu dis avec, que on doit être collé ou on doit être yani, se toucher ensemble pour dire que tu es avec quelqu'un, c'est pas ça que ça veut dire nécessairement. Et donc, le chef ici, فعلو الله جل وعلا ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما. Donc, le fait qu'on croit que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création et qu'il soit élevé et qu'il soit en même temps près de sa création et avec sa création, il n'y a pas de contradiction entre les deux non plus. D'accord? وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. Il dit que plus tard il y aura plus d'explications encore à ce sujet-là. Et aujourd'hui, on peut comprendre cet exemple-là encore plus facilement du fait que
avec, on a toutes sortes de moyens actuellement pour, disons, observer ou surveiller quelque chose ou quelqu'un à distance. Avec les caméras, avec les systèmes vidéo, tu peux être quelque part très très loin et tu es en train de surveiller quelque chose à des kilomètres et des kilomètres de distance. Même le satellite qui est dans l'espace là, eh bien, il est capable de surveiller une autre chose, qu'est-ce qui se passe sur la Terre à un endroit très très éloigné, et toi tu es assis dans une chambre et là tu regardes dans un écran et tu vois tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que ça c'est un exemple pour dire que si c'est possible pour nous des créatures faibles hein, et limitées comme des êtres humains comme on est, eh bien pour Allah Ta'ala c'est encore plus facile et il a les attributs de perfection, il voit tout et il entend tout hein, d'une façon parfaite et il n'a même pas besoin de rien pour faire ça, c'est-à-dire ça fait partie de sa personne et de ses attributs, tandis que pour nous on a besoin de plein d'instruments et de trucs comme ça. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs. C'est lui qui est comme ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Et puis on continuera ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah.